Maintenant, je veux résoudre un problème par rapport à l'équation entrepreneuriale. Je veux résoudre un problème des personnes qui ont les peaux sensibles et les peaux déjà malades. Voilà le problème. Bon, là, tu viens de commettre une erreur aussi. C'est de vouloir résoudre deux problèmes en même temps. Parce que quand tu dis les peaux sensibles, je suis d'accord. Mais quand tu dis les peaux déjà malades, ça regroupe au moins 1000 problèmes différents. Parce que peau déjà malade, ça signifie quoi? Dans les personnes qui ont déjà, par exemple, des dermatoses. Il existe combien de dermatoses? Tu ne peux pas résoudre tout ça en même temps. Et tu ne peux pas résoudre les dermatoses avec un produit cosmétique. On est d'accord? Le produit cosmétique, ce n'est pas un médicament. Mais je vais travailler en collaboration avec les dermatoses. Mais je suis d'accord. Ça complexifie même encore l'équation. En fait, l'équation, c'est comme à l'école. Ça veut dire que plus il y a d'inconnus et plus c'est compliqué à résoudre. C'est comme ça. Si tu as une équation qui a deux inconnus, oui, c'est simple. Mais si elle commence à avoir 10, 15, 20 inconnus, ça devient plus compliqué à résoudre. Ça fait dépenser aussi plus d'argent. C'est plus facile de créer une solution pour quelqu'un qui a une peau sensible par rapport à créer une solution pour quelqu'un qui a une peau avec des dermatoses. Parce que quand tu dis qu'il y a des dermatoses, ça englobe trop de maladies différentes. Alors que peau sensible, c'est facile de faire un tout petit test et de se rendre compte que dans cette salle, il y a peut-être 5 personnes qui ont la peau sensible. Et tu sais que c'est à ces 5 que tu vas proposer ton produit. Alors que quand tu dis dermatose, maintenant, il va falloir définir c'est quoi une dermatose. Il y a combien de types de dermatoses? Quelles sont les classifications des dermatoses? Les dermatoses ont quelle étiologie? Est-ce que le produit que je propose peut résoudre telle étiologie? On entre maintenant dans un cadre infini. Infini. Et là, tu ne peux plus résoudre tout. Parce que l'idéal aussi, c'est que plus tu saignes le problème, et plus ta solution va permettre de résoudre définitivement le problème, et plus les personnes qui ont utilisé ta solution seront totalement satisfaites, et plus ces personnes pourront recommander ta solution à d'autres personnes qui ont des problèmes similaires, et plus ton projet va s'étendre rapidement. Alors que si tu cibles plusieurs personnes qui ont des caractéristiques différentes, et que tu leur proposes la même solution, et que certains ne sont pas satisfaits, qu'est-ce qui va se passer? C'est que directement, ton projet va avoir des problèmes de croissance. Parce que le problème n'est pas hyper spécifique. Donc voilà, en fait, moi, ce que je te recommande, c'est de commencer par les problèmes, les peaux sensibles. Ou alors, si tu vas même dans les dermatoses, il faut choisir une dermatose. Une seule, au début, bien précise. Comme par exemple, laquelle? Même mycose, c'est vague. Oui, par exemple, oui, ça, c'est précis. C'est vrai qu'il y a encore plusieurs types de terres avec plusieurs étiologies, mais au moins là, on peut quand même concevoir un produit qui peut résoudre ce problème-là. Et là, ça devient plus pertinent parce qu'identifier des patients qui ont les teintes, ce n'est pas compliqué. Une autre personne qui veut parler de son problème, qui le résout? Oui. Parce que déjà, je peux dire un petit projet. Donc, je fais dans la distribution du gaz domestique. D'accord. Et le problème que j'ai pu résoudre, mais pas encore, que je n'arrive pas à résoudre, c'était qu'à un moment, trouver du gaz était difficile. Dans quel sens? Au début, l'entreprise qui distribuait plus le gaz, c'était SCTM. Et les gens se sont tellement procurés ces bouteilles. Et à un moment, c'est comme s'il n'arrivait, je ne sais pas s'il n'arrivait plus à cette soirée où il a chuté. Maintenant, beaucoup de ménages dans ma zone, c'était plus rabattu sur le... Quel est le problème que vous résolvez? J'avais voulu trouver une formule pour mettre à leur disposition du gaz. D'accord. Sauf que... On a prospecté, ça marchait bien, les gens venaient, mais on s'est arrêté sur le problème d'approvisionnement. Oui, Kachika. D'approvisionnement. Oui. Donc, c'est là où on a les problèmes maintenant. Ce n'est pas qu'on manque la clientèle, mais on a des difficultés à ça. Vous savez pourquoi? Non. Il a répondu à ça tout à l'heure. Vous avez compris ce qu'il a dit? Non, c'est parce qu'on a voté une nouvelle loi au Cameroun qui a centralisé la production, la distribution et du gaz à une entreprise qu'on peut dire étatique qui s'appelle Tradex. C'est pour ça que ce problème-là, vous ne pouvez plus le résoudre. C'est fini. Il faut oublier ce projet.
C'est terminé. On ne peut plus rien. Les autres entreprises ne vont plus faire du gaz. C'est fini. En tout cas, jusqu'à présent. Tant que cette loi est active, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas continuer ce projet. Oui, exclusif. Oui, c'est camerounais. Tradex, c'est camerounais. L'actionnaire majoritaire, c'est Paul Focam. C'est game over. Il faut penser à un autre projet. Ou bien tu t'approvisionnes. Ça change toutes les bouteilles. En fait. Vous dites qu'il n'y aura plus les autres. Ce n'est pas qu'on dit, c'est un fait. Mais ça change toutes les autres bouteilles. C'est pas. Quelle autre bouteille? Je dis qu'il y a une entreprise désormais qui s'occupe de tout le circuit de distribution et d'approvisionnement en gaz. Cette entreprise s'appelle Tradex. Ça veut dire que ça change toutes les autres bouteilles. Voilà ce que je veux dire. C'est désormais comme ça. Même SCTM fonctionne. Pour avoir le gaz. Et dis donc qu'on ne pouvait plus avoir comme c'était avant. Ce n'est même pas difficile pour avoir le gaz. Il y a un circuit désormais pour l'avoir. Il faut passer par ce circuit-là, c'est tout. Si vous ne passez pas au circuit, vous allez avoir le gaz. Est-ce que c'est que le gaz manque encore? Le gaz ne manque même. Oui. Parce que parfois, en fin d'année, on avait de la peine à avoir le gaz. Mais ça fait même 2 ans qu'il n'y a plus eu ce problème. Même cette fin d'année, il n'y avait plus. Maintenant, vous êtes allé à Tradex. Non, parce que je ne connaissais pas. Bon, maintenant, allez à Tradex. Dès demain, allez à Tradex, vous allez trouver. Il y a le gaz. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a une intersection qui existe dans le segment du gaz. C'est le biogaz. Et moi, je connais beaucoup d'entreprises qui proposent déjà ces solutions intégrées dans des maisons. C'est-à-dire, on vous installe un biodigesteur qui transforme vos déchets organiques en biogaz que vous pouvez directement... Du moins, il y a un conduit de canalisation qui draine directement ça vers la cuisine et vous pouvez préparer avec. C'est accessible alors? C'est accessible, ça se fait. Ça dépend du dimensionnement de la maison et du besoin de la maison en gaz. Mais est-ce qu'un produit, c'est pour tout le monde? Vous savez qu'on comprend parce qu'on dit depuis. Les produits, ce n'est pas pour tout le monde. On prend des segments et on vend au segment qui correspond au produit. Les pauvres vont toujours continuer de faire comme avant. Non? On va faire comme, on ne peut pas changer. Qui font quoi? Non, on peut créer de la biomasse. On peut approvisionner la biomasse même externe. Ce n'est pas seulement votre production familiale. Oui, on peut venir avec de la biomasse. Surtout que... Oui, bien sûr, surtout que les déchets de biomasse, là, en fait, sont utilisés comme engrais. Voilà. C'est ça que j'appelle le segment, l'intersection entre la bonne idée qui est le gaz ou la production, la mauvaise idée qui est le fait de vouloir seulement livrer. Parce que le problème, c'est que tu as un kachika qui dicte ton marché et qui décide de quand ça va fonctionner, quand ça ne fonctionne pas. Et le segment du milieu, c'est que tu produis ton gaz toi-même. Comme le biogaz, c'est un gaz qu'on produit soi-même. Maintenant, moi, j'ai un ami qui est en train de travailler sur une technologie qui permet de pouvoir conditionner le biogaz. Ça veut dire qu'on produit ce biogaz, on le stocke. Et ensuite, on peut le réutiliser après. Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on peut le faire. C'est juste des analyses et surtout des recherches qu'il faut mener. Aussi des opportunités de formation. Oui, bien sûr qu'il existe déjà des formations sur la transformation de la biomasse en biogaz et en tous les autres dérivés. Oui, et ça fonctionne. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.